Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un cake salé, feta, poivron, oignon, curry, paprika, etc. Idéal pour l'apéritif ou alors pour manger avec une petite salade. J'espère qu'il va vous plaire, vous allez voir, c'est super simple à faire. Il vous faut de la feta coupée en dés, de la farine, de l'huile d'olive, des œufs, des poivrons, j'ai pris un quart d'un poivron rouge et un quart d'un poivron vert, du lait, du gruyère râpé, un petit oignon, des épices, j'ai mis paprika, curry, du basilic aussi, sel, poivre et de la levure chimique. Je commence par couper les poivrons en petits dés. C'est vraiment à l'œil, j'ai pris à peu près un quart de poivron rouge et un quart de poivron vert. C'était déjà très bien garni comme ça, ça fait environ 150 g de poivron. Maintenant, dans un récipient, je verse la farine, la levure chimique, je mélange. Ensuite, je vais ajouter les épices. En termes d'épices, j'ai mis à peu près une cuillère à café de chaque. Je rajoute également le sel et le poivre. Maintenant, je vais pouvoir ajouter les œufs. Donc, je commence à bien mélanger, mélanger énergiquement pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et quand ça devient compliqué de mélanger, on va pouvoir ajouter le lait qui est un petit peu tiède. Ça va aider à mélanger tout ça. Et ensuite, j'ajoute l'huile. Je continue en incorporant l'oignon et les dés de poivron. Je mélange maintenant avec une marise ou une petite spatule. Et enfin, je vais pouvoir ajouter les dés de feta et le gruyère râpé. Je verse le tout dans un moule à cake beurré et fariné. Celui-ci, c'est un 24 cm. Vous voyez, il reste une marge par rapport au moule. J'étale bien. Et je vais enfourner environ 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Quand vous voyez que le milieu commence à cuire, vous prenez un couteau pointu et vous incisez le milieu pour permettre au cake de bien gonfler au centre. Et surtout que ce soit bien cuit à l'intérieur. Le cake est bien doré, je vérifie la cuisson avec une lame de couteau, il faut qu'elle ressorte bien sèche. Je le démoule tout de suite et pour garder le maximum de moelleux, j'enveloppe le cake dans un torchon propre. Et une fois bien refroidi, vous allez pouvoir le découper en tranches. J'adore les cakes salés, surtout pour un apéritif, etc. C'est super rapide à faire, super simple. Et on peut généralement mettre un petit peu tout ce qui nous reste aussi au réfrigérateur. Ici, la feta, le poivron, l'oignon, le curry, ça se marie super bien. J'espère qu'il va vous plaire, c'est un petit cake ensoleillé. Et pour les beaux jours, vous allez voir, c'est vraiment super bon. Si vous testez la recette, comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer une petite photo, notamment sur Instagram, vous pouvez me taguer. Si vous n'êtes pas encore, je vous invite également à me rejoindre sur ma chaîne YouTube en vous abonnant. Merci beaucoup pour tous vos abonnements, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.